بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, on reprend ce soir, alhamdulillah, Kitab al-Tawhid. Inch'Allah, on s'est arrêté la fois dernière au chapitre 38. On reprend donc au chapitre 39, très logiquement. Et avant même d'annoncer le titre et d'entamer le chapitre, je voulais juste dire que par rapport à hier soir, il y a quelqu'un qui m'a signalé, une sœur qui m'a signalé après le cours. D'habitude, j'appuie sur... Là, on a oublié, on appuie sur lock mic on pour bloquer le micro et se faire entendre, quoi. Et je mets verrouiller le micro sur cette fonction lorsque je veux parler. Puis en général, après le cours, quand je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ben j'appuie, puis ça coupe. A priori, ça n'a pas coupé. Bon, rien d'extraordinaire, je ne sais plus ce que j'ai vraiment dit après. Je parlais, mais voilà, c'était censé être fini. J'étais censé retourner dans le privé, et vous de votre côté aussi, et puis on me dit que le micro était encore allumé. Donc, je ne sais plus exactement d'ailleurs ce que j'ai dit, rien d'extraordinaire, je ne pense pas que... Mais je m'excuse si ça a dérangé, ou si ça aurait causé du tort à quelqu'un ou quoi que ce soit, et je remercie encore la personne, la sœur, qui m'a dit « Attention, le micro est actif ». Après, moi, j'étais plus vraiment auprès de l'ordinateur, ou du moins plus attentif. Je ferai désormais attention, de toute façon, « Qadar Allah wa mashafara », maintenant c'est fait. Ça, c'était pour les gens qui étaient en direct, bien sûr, sur l'audio replay, il n'y a pas, puisque je coupe le logiciel d'enregistrement aussitôt. Mais c'était pour ceux qui étaient là. Donc bon, voilà. On va pas en parler plus que ça. À moi de faire plus attention. Donc, Kitab al-Tawhid, livre de l'unicité. Livre de l'unicité, toujours ce sujet éminent, qui est le Tawhid, qui est la base des bases, la meilleure chose avec laquelle on adore Allah Azza wa Jalla. La base, la plus importante d'ailleurs, est l'obligation. Et puis, le plus grave des péchés, lorsqu'on ne le pratique pas, lorsqu'on ne le comprend pas, et lorsqu'on dit des choses, fait des choses qui entrent en contradiction avec ce tawhid, d'accord ? À savoir, par exemple, du shirk ou du kufr. Le chapitre 39, il concerne celui qui renie un des noms ou un des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Alors ça, on l'a déjà vu longuement, à travers, je ne sais plus si c'était 4 ou 5 cours, Al-Qa'idatu al-Murraqushiyya, le précepte de Murraqush, ou bien en français ils disent Marrakech, l'épître d'Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala. Donc ça on l'a vraiment vu en détail, on va faire bien sûr ce chapitre, et pour les gens qui suivent, ils auront beaucoup plus d'informations que ceux qui découvrent seulement là. Et ils savent déjà, il y a le statut de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah, un négateur. Il est totalement, bien sûr, strictement interdit de faire cela, et cela s'oppose à la foi, cela s'oppose aux bases même du tawhid. Les négateurs des noms et attributs d'Allah sont des koufars. Quiconque renie un nom ou un attribut d'Allah est un kafir, c'est un mécréant, bien sûr. Après, on avait vu aussi dans le livre, l'épître, il y en a ceux qui les interprètent de différentes manières, mais surtout, ce qui les renie, notamment... Le Jahmiya, comme on a de nos jours, les Ahbash, la secte APBIF, comme ça qu'elle s'appelle en France, APBIF, les Ahbash, qui se revendiquent les meilleurs sunnis. Vous verrez, subhanallah, nous sommes les sunnis, nous prêchons la sunna. En vérité, c'est une secte mécréante. Leur fondement, leur base, leur dogme, c'est de la mécréance. Ils sont sur la négation
des attributs d'Allah Azzawajal. Après, il y a des branches, la charia qui vont les interpréter, etc., etc. J'ai fait un audio de 5h20, je crois. Donc, c'est dire sur ces gens-là. 5h20 sur ces gens-là, plus la série de cours, donc je pense que le sujet, il a déjà été bien traité par le passé, walhamdulillah. Donc sur ce chapitre, celui qui renie un nom ou un attribut d'Allah. Allah Ta'ala dit dans le sens, dans Surat le Tonnerre, au verset 30, cependant qu'il ne croit pas au tout miséricordieux. Al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique, Ali a dit, parlez aux gens en fonction de leur compréhension. Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs? Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. On va voir, on va décrire tout cela, mais c'est des choses qui sont bien sûr claires et qu'on a déjà évoquées. Hein. Le fait d'adapter son prêche aux gens en face. Hein. Devant des gens qui ont un certain niveau, on va parler d'une certaine manière. Hein. Pour des parents ou des anciens qui ont un petit peu de mal à comprendre certaines choses, pareil, on va adapter, on va parler d'une certaine manière. Des enfants aussi. Des mécréants qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ou bien qui s'intéressent mais qui ne comprennent pas tout notre langage, on va aussi adapter. On doit toujours s'adapter, on ne peut pas parler de la même manière pour tout le monde. Le prêche, c'est une adaptation. C'est pour ça que Ali dit, radiyallahu, parler aux gens en fonction de leur compréhension. Parce que vous ne voulez pas qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs. Hein, s'ils ne comprennent pas ce que tu dis, tu auras beau étaler ta science, le but ne sera pas atteint. Pire, tu vas détourner les gens de la vérité. Toi, tu as dit la vérité, mais ils n'ont pas compris. C'est très important. Quand une personne s'adresse à toi pour te demander des informations, elle cherche, il y a peut-être une part de vérité, quelque chose, que tu prennes ton rôle très à cœur et que tu t'adaptes à cette personne-là. C'est pas à elle de s'adapter à toi, c'est plutôt à toi de s'adapter à elle, hein, et de lui exposer la vérité de la meilleure des manières. Abdurrazak rapporte d'après Ma'mar, d'après Ibn Taous, d'après son père, que Ibn Abbas, radiallahu, vit un homme sursauter en entendant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnait les attributs divins. Un hadith donc qui parlait de quoi? Les attributs d'Allah Azzawajal. On répète, c'est quelque chose normalement qui doit être acquis. Hein, les attributs d'Allah Azzawajal, on ne les nie pas. On ne fait pas la négation, plutôt on les affirme. Les gens de la sunna, tous les gens de la sunna depuis l'époque des compagnons, sont sur l'affirmation des attributs d'Allah Azzawajal. Et non pas la négation. Puis on ne demande pas le comment. On ne dit pas, mais comment est l'attribut d'Allah? Par exemple, la main. Est-ce qu'Allah il a deux mains? Na'am, Allah il a deux mains. Comment est la main d'Allah? Non, on ne pose pas cette question-là. Le comment, le taqif, on ne le fait pas. C'est interdit. Également, on n'interprète pas. On ne dit pas, c'est pas vraiment une main, on l'admet, mais c'est plutôt la puissance. Non plus. On ne fait pas d'interprétation. Et puis enfin, on ne fait pas ressembler. Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On ne dit pas que la main d'Allah Azzawajal est comme la main de la souris, la main de l'homme, ou la main du singe. Non. Elle est comme il plaît à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc on l'affirme, hein. On n'interprète pas. On ne la fait pas ressembler. Et on ne demande pas comment elle est. On ne dit pas, mais comment est la main d'Allah alors? Non. Non. Déjà, ça nous dépasse. On ne le saura jamais. Donc, à quoi bon rentrer dans les questionnements du comment? Non. Ça transcende tout ce qu'on peut imaginer. Non. Donc un homme, il a sursauté en entendant un hadith du prophète, alayhi salam, qui mentionnait ses attributs divins. Ibn Abbas dit alors, de quoi ces gens-là ont-ils peur? Ils acceptent aisément les propos clairs du Coran et de la Sunna, mais ils s'égarent en présence des propos équivoques. Hein? D'accord? Tout ce qui est clair dans le Coran et la Sunna, ces gens-là, ils l'acceptent. Mais ils s'égarent en présence des propos équivoques. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gens des sectes. Parmi les choses claires qu'il y a dans le Coran et la Sunna, l'Ahbash, ils l'acceptent. Il faut prier? Oui, il faut prier. Il faut jeûner? Oui, il faut jeûner. Même s'il y a des soufis à la mosquée, même s'il y a des tablis, même s'il y a des ikhwan, vous voyez bien, on s'accorde sur certaines choses quand même avec eux. Est-ce qu'on prie dans la même direction? On prie dans la même direction. Naam. Est-ce que la fornication c'est haram? Bon, à part chez certains soufis extrémistes qui disent qu'ils ont atteint un degré de foi, soi-disant, et qu'ils n'ont plus besoin de ne pas forniquer, parce que pour eux, ça devient une bonne chose presque. Bon, eux, c'est des gens très 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 égarés. Mais pour la majorité des musulmans, tu dis la fornication, qu'est-ce qu'il en est? C'est haram. Donc il y a des choses qui sont claires dans le Coran et la Sunna, et en général, voilà, ces gens-là l'acceptent. Par contre, ils s'égarent en présence des propos équivoques, qui demandent, qui nécessitent une étude scrupuleuse des textes, un suivi littéraliste des textes, et qu'on se réfère à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est sur ces propos équivoques que les gens-là s'égarent. Non. Et lorsque les membres de la tribu de Quraysh, hein,
ont entendu le prophète aïssalat wassalam citer le tout miséricordieux, ils désapprouvèrent cela. C'est pourquoi Allah révéla à leur sujet, donc à propos de Kufar Quraysh, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ce qu'on a vu donc dans le sens du verset 30 de la sourate, le tonnerre. Voilà pour ce metn, hein, ni plus ni moins, ce petit metn. On va voir maintenant les points à retenir. On y voit l'annulation de la foi lorsqu'on renie un des noms ou attributs d'Allah Azzawajal. L'annulation, pas la diminution. Pas le fait qu'elle soit entachée. Non, l'annulation. C'est ce que c'est un annulatif des ablutions. Tu n'as plus le bourdon. Naam. Un annulatif de la foi ou bien de l'islam. L'islam, c'est la foi. Hein? L'annulation de la foi, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dîme. C'est un annulatif de l'islam. Celui, certes, qui renie un des noms ou attributs d'Allah est un mécréant. On voit aussi l'explication du verset de la sourate, le tonnerre. On voit aussi qu'il faut éviter de parler de choses que l'interlocuteur ne comprend pas, comme Ali le dit, d'accord. On essaye de faire des cours gradués. Inch'Allah, on a commencé avec certains livres, certains points. Aujourd'hui, j'estime que quand je parle, la plupart des gens qui suivent, s'ils ont suivi depuis le début, bien sûr, pas une nouvelle personne qui prend, entre guillemets, comme on dit, le train en route, une personne convertie ou pas convertie d'ailleurs, mais qui prendrait, tiens, je vais cliquer sur les derniers cours qu'il a mis. Et il ne s'est pas intéressé à la science bénéfique islamique auparavant. Là, il peut avoir des problèmes, mais là, ce n'est pas de ma faute. Mais moi, au niveau de mon effort, au niveau de ce que j'ai propagé, avec ceux qui ont suivi depuis le début, je pense que certaines personnes ont, j'espère toutes d'ailleurs, ont acquis certaines sciences et certains mots et une certaine compréhension de la religion et de la chose. D'accord ? Mais parler de choses, si l'interlocuteur ne comprend pas, c'est injuste, c'est stupide et c'est absolument contre-productif. Quatrièmement, la cause de cela, c'est que ça peut pousser l'interlocuteur à considérer les propos d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, comme mensongers, même involontairement. Parce qu'il ne comprend pas, puisqu'il ne comprend pas. Donc il va chercher à interpréter lui, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair ce que tu lui racontes, c'est pour ça que j'essaie aussi toujours de clarifier et puis de reclarifier que ce soit bien clair. Parce que si ce n'est pas clair, ça peut pousser les gens à douter. Dire cette religion-là, elle est pas claire. Moi, j'y comprends rien. Donc, ils vont dire que les propos d'Allah, Azzawajal, et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont mensongers. Même si ce n'était pas sania de base. Et cinquièmement, les propos d'Ibn Abbas concernant celui qui désapprouve un des noms ou attributs d'Allah, on voit que cette désapprobation est une cause donc d'égarement. Hein? Il a dit donc que de quoi ces gens-là ont-ils peur en les désapprouvant? Ils acceptent aisément les propos clairs, mais ils s'égarent en présence des propos équivoques. Donc les propos d'Ibn Abbas concernant la nation est une cause d'égarement. On ne peut pas désapprouver un des noms ou attributs d'Allah Ta'ala sans s'être fourvoyé dans l'égarement, sans s'être égaré. Le commentaire de tout cela, le lien existant entre ce chapitre et l'ensemble de l'ouvrage est à considérer sous deux angles. Pourquoi ce chapitre est dans le livre, par rapport au livre où on en est? Premièrement, on y voit l'unicité d'Allah concernant les noms et attributs. Tawhid al-asma wa sifat. L'unicité donc d'Allah concernant les noms et attributs, et ceci est une preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration. On adore Allah Azzawajal, Tawhid al-uluhiyya, pardon. Et appliquer le Tawhid al-asma wa sifat, c'est une part aussi du Tawhid al-uluhiyya. Claro. Deuxièmement, le reliement donc d'un des noms ou attributs d'Allah Ta'ala, c'est une forme de polythéisme et une forme de mécréance qui exclut de la sphère de l'islam. À condition bien sûr que le nom ou l'attribut renié soit authentiquement établi, pas sur une ambiguïté, pas sur quelque chose qui serait rapporté déjà de manière fausse. Car on affirme les noms et attributs d'Allah, oui, on les affirme, mais que ceux qui sont rapportés authentiquement dans le Coran et la Sunna. Pas ce que rapporterait un tel ou un tel. Cela, on ne peut pas les affirmer. Non. Ni les nier d'ailleurs. Les autres. On ne dit pas, il n'y en a pas d'autres. Ni on les nie, ni on les affirme, puisqu'ils ne sont pas rapportés. C'est la règle au sujet des noms et attributs. Hein? Ceux qui sont rapportés et ceux qu'on connaît, on doit les affirmer. Quant aux autres, ni on les nie, ni on les affirme. Donc le reniement d'un des noms ou attributs d'Allah exclut l'islam, certes, en partant de l'idée que c'est un nom ou un attribut authentiquement rapporté et établi.
et que la personne concernée sache qu'Allah l'a affirmé à propos de lui-même. Il faut qu'elle soit au courant. Il faut qu'on établisse la preuve sur cette personne-là. C'est pas tout ignorant qui fait un péché qui est coupable. C'est pas tout ignorant qui fait un kufr qui est coupable, et c'est pas tout ignorant qui fait un shirk qui est coupable. Ce qu'il a fait, c'est mal. On ne dit pas que c'est bien, mais il faut lui enseigner. Revoir encore une fois, toujours et encore, les conditions de l'excuse de l'ignorance. Hein? Donc il faut que la personne concernée, par ce reniement, sache et sache bien qu'Allah l'a affirmé à propos de lui-même. Il faut lui montrer. Hein? Et que le prophète Hassan aussi l'a affirmé à ce propos, c'est-à-dire au sujet d'Allah Azzawajal. Et malgré tout, si cette personne égarée n'a plus l'excuse de l'ignorance, puisqu'elle est au courant qu'Allah Azzawajal l'a rapporté et que le prophète Azzawajal l'a transmis, dans ce cas-là, si elle le renie, là effectivement, c'est une mécréante. Le reniement ici signifie donc nier totalement la réalité du nom ou de l'attribut. Ceci est donc une mécréance, car cela revient à considérer les propos du Coran et de la Sunna comme mensongers. Quelqu'un il vient et il dit « Non, je refuse, je rejette, je renie tel nom ou tel attribut. » Tu es en train de dire que le Coran c'est du mensonge, la Sunna c'est du mensonge. On t'a montré que c'était authentiquement rapporté. Ça prouve bien que la personne y a nié et mécréante. Quant à ceux, comme on dit, est-ce qu'on est à charia qui interprètent eux, quant à eux, les noms et attributs, d'accord ? Est-ce que ce sont des mécréants ? Il y a certains ulama qui voient que non, parce qu'ils font un effort, certes un effort mauvais, mais ils font le ta'wil, c'est-à-dire ils font un effort d'interprétation. Ils essayent comme ça d'interpréter. Et donc, ils n'ont pas renié. Ils se sont juste égarés, ils ont des ambiguïtés. Donc, voilà pour ce passage. Quant au verset, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman, qui est donc un des noms d'Allah Azzawajal. Hein? Or, les polythéistes et les mécréants de la Mecque dirent « Nous ne connaissons pas de tout miséricordieux, si ce n'est le tout miséricordieux d'El Yamama. » Ils ont donc renié le nom d'Allah Ar-Rahman. Ils n'attribuaient pas l'appellation du tout miséricordieux à Allah Azzawajal. Ils ont renié Ar-Rahman. De ce nom dérive l'attribut de la miséricorde, la Rahma. En effet, chaque nom d'Allah recèle un attribut. Là, ça, on l'avait expliqué aussi dans les cours de Aqidah Sahiha. À savoir que de chaque nom d'Allah Ta'ala, chaque nom, il y a un attribut. Mais ce n'est pas de tout attribut qu'il y a forcément un nom. Hein? C'est pas de tout attribut qu'il y a forcément un nom. Par contre, de tout nom découle un attribut. Donc chaque nom d'Allah désigne deux choses à la fois, qui sont l'être et l'attribut qui dérive du nom. Hein? Par exemple, l'être, Ar-Rahman, c'est l'être, c'est Allah Azzawajal, il est Ar-Rahman, et dérive de cela un attribut. La Rahman, la miséricorde, par exemple. C'est pourquoi nous disons que de chaque nom d'Allah, dérive un attribut, ce que je viens de vous dire. Et cela concerne même le nom Allah. Même le nom Allah, qui est un nom propre, désignant la divinité en droit d'être adorée. Allah. Hein? Le Dieu, la divinité, le Dieu unique. C'est ça que ça signifie, Allah. C'est ça que ça signifie. Et de là, Yarni, donc, dérive le mérite d'être adoré, si on peut dire. Naram. Donc, cela concerne le nom Allah, qui est un nom propre désignant la divinité en droit d'être adoré. Nom qui dérive selon le plus juste des deux avis énoncés par les savants, d'al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Donc, d'un nom d'Allah dérive un attribut, comme Ar-Rahman, la Rahma, et du nom Allah, qui est un nom propre désignant la divinité en droit d'être adoré. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Nom qui dérive selon le plus juste des deux avis énoncés par les savants, d'al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. L'attribut en fait du mérite de l'adoration. Al-Bukhari rapporte dans son recueil authentique que Ali a dit « Parlez aux gens en fonction de leur compréhension. Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs ?» Ceci indique que certaines branches de la science ne conviennent pas à tout le monde, comme certaines parties du tawhid et des noms et attributs d'Allah qui ne sont pas à la portée de tout à chacun. Ça, Yanni, je vais m'interrompre ici, dans le livre, pour parler de cela, plus ou moins longuement. Bon, premièrement, certaines branches de la science ne conviennent pas à tout le monde. Point, déjà cela. Bien évidemment, il y a des choses qu'on ne dira pas. On ne peut pas dire à tout le monde. C'est pas qu'on cache les ilm, comme certains ignares disent. Ils cachent la science, c'est interdit, c'est haram. Non, c'est qu'ils ne sont pas capables encore de comprendre cela. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas.
Il y a des choses qu'on dit en partie et on ne dit pas tout. C'est par sagesse. Les gens de science le font pas par sagesse. Il y a des choses ils ne comprennent pas, ils ne sont pas prêts pour comprendre, ou alors ils vont déformer et ils vont mal interpréter. Hein? De même, quand on parle du théoïde, on essaye d'employer des mots très simples. Par exemple, ici, je peux aisément vous dire, parce que Yanni, j'ai confiance en votre niveau, je sais de ce que vous valez, hein, ceux qui suivent, je peux dire el tawhid, el tawhid al-rububiya, el uluhiya, l'asma wa sifat, et Yanni, etc., etc., etc. Vous comprenez de quoi on parle, hein? Vous comprenez de quoi on parle. Quand on parle des sectes, c'est pareil. Mais mettez-vous à la place, Yanni, d'une assemblée. Une assemblée de gens de la masse. Dans une mosquée dite Ikhwani, oui, mosquée de la République, comme ça, les mosquées en France. La plupart. Des papas, des ceci, des cela, des gens peut-être qui viennent Côte Jumu'ah, etc. Comment ils vont comprendre ça? Ils peuvent pas comprendre ces branches-là, ces parties du Tawhid. Donc on doit leur enseigner le Tawhid, oui. C'est pas Yanni, on va se taire sur le Tawhid parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais on va adapter le prêche. Certaines parties donc du Tawhid et des noms et attributs d'Allah, comme les règles, etc., ne sont peut-être pas à la portée de ces gens, ne sont pas à la portée de tout un chacun, du moins pas maintenant, pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire, hein? L'intelligence, c'est par exemple de dire, parler du Tawhid en disant, voilà, il faut unifier Allah dans ses actions, dans ses actions. Allah, il est gérant, Allah, il est pourvoyeur. Donc dans ses actions, dans ses actes, il faut unifier Allah, hein? Il est seul à être le seigneur de l'univers, ainsi que le pourvoyeur, et le seul à donner la vie, la mort, etc., etc., etc. En expliquant de manière très simplement comme ça aux gens. Puis passer sur l'autorité de l'adoration, de même avec des mots simples. Et j'ai essayé, Inch'Allah, de parler simplement pour être compris de tous. Et puis, se taire n'est pas caché la science, ou dire, on ne va pas enseigner ce qui est bénéfique. C'est, on ne va pas le faire maintenant. Pas comme ça, pas avec ces mots-là, plus tard, Inch'Allah, quand ils auront acquis un meilleur niveau. Par conséquent, on ne doit pas faire étalage de certains détails précis des noms et attributs d'Allah devant le commun des musulmans. Mais on leur demande d'y croire globalement en se référant aux éléments clairs du Coran et de la Sunna. Hein? D'accord? On ne va pas expliquer tous les détails. Par exemple, El Qaridato El Murakoshia. C'est un livre qui est assez compliqué. Traite des Jahmiya, on dit voilà, il y a les partisans du reliement, les partisans de ceux qui n'ont rien dit, comme on l'a vu, hein, les abstentionnistes, ceux qui disent ni l'un ni l'autre, on sait qu'ils sont du parti des négateurs en fait, comme on l'a vu dans les cours. Et puis les partisans de l'affirmation, etc. El Paragatul Mouarakoshia, on le fait pas comme un cours après le un vendredi après-midi comme ça dans une mosquée avec des gens de la masse. C'est pas possible. Ils ne sont pas prêts à comprendre toutes ces choses-là. C'est juste impossible pour eux. D'accord ? Globalement, on leur dira qu'on doit affirmer les noms et attributs d'Allah, etc., etc. On ne demande pas le comment, et la règle simple. On ne les nie pas, on ne demande pas le comment, on ne fait pas d'assimilation, et puis aussi, on ne les interprète pas. Et on s'arrêtera ici. C'est pour plus les gens qui cherchent à étudier la science. Par exemple, hein. Donc devant le commandement des musulmans, on leur demande d'y croire, voilà, globalement, en se référant aux éléments clairs du Coran et de la Sunna. En effet, une des causes du reniement des noms et attributs d'Allah par les gens est de leur parler de noms et d'attributs divins qu'ils ne comprennent pas. Il est donc du devoir du musulman en général, et de l'étudiant en sciences islamiques en particulier, de faire en sorte que les gens ne considèrent aucune parole d'Allah Azzawajal ou du prophète Aïssalatu Wassalam comme mensongère. Donc, ne pas leur ramener comme trop compliqué. Ce qui arrive lorsqu'on parle de concepts qu'ils ne connaissent pas et que leur raison n'arrive pas à assimiler. Encore une fois, on va revenir justement à ce livre. El Qaidatul Murakoshia, c'est assez complexe. Leur raison ne va pas, même leur foi, leur niveau de foi, leur niveau de raison, ils ne vont pas capter, ils ne vont pas comprendre cette chose-là. Ce serait stupide, Yanni, d'amener ça et de l'enseigner, par exemple, à des gens vraiment débutants, c'est même plus novices ou débutants, des gens qui ne s'intéressent aucunement à la science. D'accord ? Abdurrazak, qui rapporte d'après Ma'mar, d'après Ibn Taous, d'après son père, Ibn Abbas, radiallahu anhu, vit un homme sursauté, hein, en entendant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionnait les attributs divins. Et vous savez ce qu'il a dit après, hein, en disant que c'était donc de l'égarement, parce qu'il prenait les choses claires, mais il rejetait les choses équivoques. Pourquoi il a été rapporté cela? Car cet homme avait compris de l'attribut que celui-ci impliquait l'anthropomorphisme et la ressemblance d'Allah à ses créatures. Donc c'est ça l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est de faire ressembler Allah Azza wa Jalla à ses créatures. Donc, l'homme,
hein, qui n'a pas bien compris ce qui est en rapport avec l'attribut divin, c'est parce qu'il s'est dit, lui, c'est de l'anthropomorphisme, donc de la ressemblance Allah Azza wa Jalla avec ses créatures. C'est notamment ce qui arrive lorsque tu parles des noms et attributs, des noms, en tout cas des attributs divins à un ignorant de la masse, comme ça m'est déjà arrivé une fois, hein, où je n'avais pas voulu expliquer. J'ai fait une erreur de prêche. Et quelqu'un, Yannick, qui n'y connaît rien, et je lui dis, est-ce que tu admets qu'Allah, il a une main? Il a dit, non, Allah, il n'a pas de main. Parce que lui, il s'est imaginé ma main, la sienne. Donc il a renié. Mais il n'avait pas compris. Parce que lui, en fait, il a voulu renier, quoi? L'anthropomorphisme. C'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais dû lui enseigner la aqida correcte au sujet des noms et attributs. Prendre le temps de lui expliquer. Mais parfois, on est vif. On va voir quelqu'un, Yannick, qui n'a aucune chance, et on veut, Yannick, qu'il ait la même compréhension que nous. Mais qu'il admette des choses que nous, on en est passé par des règles, par des études. Pour nous, peut-être aussi, au début, c'était pas évident de dire « Allah, il a une main ». On aurait dit comme ça, comment ça, Allah, il a une main? On l'aurait pas compris. Est-ce qu'il sait déjà que même Allah, il affirme qu'il a une main? Et lui, en tout cas, j'ai de bons soupçons envers lui, cette personne-là ignorante, quand elle a le guide et le guide, il a certainement voulu renier, donc, l'anthropomorphisme. C'est ça qui ne lui plaisait pas. Hein, c'est pas renier le nom ou l'attribut en soi. Donc cet homme-là, justement, il avait compris de l'attribut que celui-ci impliquait de l'anthropomorphisme. Voilà. L'homme eut donc peur de cet attribut. Il a eu peur de ça, parce qu'il s'est dit, ça veut dire qu'on doit assimiler ça. Comment ça, Allah, il a des yeux? Donc lui, il imagine ses yeux. Comment ça, Allah, il a deux mains? Donc ça va pas. Il n'arrive pas à se faire une idée. Hein, à la différence de celui qui passe par les règles, comme on a vu. Hein, il l'affirme, mais sans demander le comment, sans l'interpréter, sans faire ressembler. Et on ne fait que être des littéralistes. On prend ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. Et pour quelqu'un de la Sunna qui a un petit peu étudié, ça devient donc beaucoup plus clair et beaucoup plus simple comme croyance. L'homme eut donc peur de cet attribut. Or, le devoir du musulman, lorsqu'il entend un des attributs d'Allah cité dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de le concevoir comme on conçoit les autres attributs. Encore faut-il, Yanni, bien sûr, avoir une once de science pour comprendre cela. Cette conception consiste à affirmer les attributs d'Allah sans description du comment ni comparaison. C'est toujours ce qu'on répète. C'est pourquoi Ibn Abbas dit alors de quoi ces gens-là ont-ils peur? C'est-à-dire, que redoutent-ils? Ils acceptent aisément les propos clairs, c'est-à-dire les propos donc du Coran et de la Sunna, hein, qui s'adressent à eux par des propos qu'ils connaissent, leur cœur les accepte. Mais cependant, ils s'égarent en présence des propos équivoques, à savoir qu'en présence de propos du Coran ou de la Sunna que leur raison n'arrive pas à assimiler, là ils s'égarent. Là, ils paniquent. Là, ils frémissent. Là, ils interprètent. Là, ils nient ou là, ils renient. Hein? La personne que je vous ai dit qui était ignorant, il y a de ça. Mais même parmi les Ashariyas, c'est des gens comme ça. Parmi les Ashariyas, il y a des gens, ils ont une bonne intention. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont bien guidés? Non. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont bien guidés? Non. Est-ce qu'ils seront excusés? Allah Alem, en fonction de leur intention, de ce qu'ils ont voulu faire. Il y en a, Yarni, même s'ils sont égarés et on ne cautionne absolument pas leur croyance, c'est par scrupule, par bon scrupule religieux. Ils n'ont surtout pas envie. Ils ne connaissent pas la croyance authentique. Mais ils n'ont surtout pas envie de dire du mal d'Allah Azza wa Jalla. Ils ne veulent pas, comme ça, faire de ressemblance, etc. Donc du coup, ils ne cherchent pas à apprendre plus que cela, mais ils paniquent. Et en paniquant, on ne prendra jamais la science authentique, on n'aura jamais une croyance correcte. Et c'est là, Yannick, que les gens de l'égarement se sont fourvoyés dans l'interprétation, dans la négation ou dans le reniement. D'accord? C'est par... parfois, Yannick, c'est par... par peur. Par peur et incompréhension. Donc ceci donc est une cause d'égarement, les équivoques. Ce terme désigne ici les concepts dont la compréhension échappe à certaines personnes. D'où l'importance de bien expliquer les règles fondamentales du din, les règles notamment liées aux noms et aux attributs, et d'être patient avec ces gens-là, et de leur expliquer clairement, et ne pas les déclarer mécréants, parce que quelqu'un qui va avoir au beau milieu d'un kebab, tu te doutes bien que s'il y a un lit au milieu d'un kebab comme ça, et, enfin ça ne veut pas dire que c'est que des ignorants dans les kebabs, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une assise de science un kebab, à la base, n'est-ce pas? Et que tu lui dis, est-ce qu'Allah a deux mains? Il te dit non, te précipite pas de lui faire son takfir. Déjà parce que ça te revient pas, cette tâche. Et deuxièmement parce que lui, tu lui as dit comme ça deux mains, il imagine les deux mains qu'il a devant lui. Forcément, il prend peur, il panique. À toi de bien, Inch'Allah, lui expliquer pour qu'il accepte la croyance authentique à ce sujet. Et enfin, lorsque les membres donc, de la tribu de Quraysh, hein, ils ont entendu le prophète Al-Sem citer le tout miséricordieux, ils ont désapprouvé cela. C'est-à-dire, ils ont désapprouvé le tout miséricordieux Ar-Rahman. C'est pourquoi Allah Ta'ala révéla à leur sujet le fameux verset 30 dans le sens de Sourate le Tonnerre, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. À savoir, ils ont renié l'attribut
ou le nom de la tribu de la Rahma, ou le nom Ar-Rahman. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru en sa véracité. Ils n'ont pas cru en sa véracité. Et ceci, c'est une abjuration. Et c'est une mécréance. Contrairement à l'interprétation, le ta'wil. C'est pour ça qu'on dit que les Ashariyas ne sont pas des mécréants. Hein, pour ceux, en tout cas, qui ne sont pas dans le reniement. Certains d'entre eux sont dans le reniement, hein, comme des Ahbash. Donc tout ça, c'est des Jahmiyas. Soit les Ashariyas, les Ahbash et des Jahmiyas. Il y en a, ils sont plus extrêmes que d'autres. Il y en a qui renient, et ceci est une mécréance, et il y en a qui interprètent. Ils n'ont pas renié. Par exemple, ils ne vont pas dire « Allah n'a pas de main ». Mais ils vont dire « Cette main-là signifie la puissance », par exemple. Ça, ce n'est pas de la mécréance. C'est un grand, grand égarement dans la Aqida, et ça s'appelle le ta'wil. En effet, donc, l'interprétation et l'altération du sens premier comportent des degrés donc, d'égarement. Hein. La base des bases, c'est que ça ne rend pas mécréant. Et ceci sera décrit plus tard, Inch'Allah, dans le livre. Dans le livre, le Shir dit qu'on va en parler donc plus tard. À savoir les degrés d'interprétation et d'altération du sens premier. Et nous, les gens de la Sunna, nous sommes des littéralistes. Nous prenons au sens premier les choses. Dans la Aqidah, dans les noms et attributs d'Allah Azzawajal, le nom qui te vient, l'attribut qui te vient, tu le prends de manière littérale. Le sens premier. Tu ne fais pas le ta'wil, contrairement à ces gens-là qui se sont donc égarés et qui interprètent faussement et qui altèrent le sens premier. Non. Et qu'Allah nous raffermit sur la bonne croyance. Quant à l'interprétation, donc le ta'wil de certains versets, hein, qui ne rentrent pas dans l'interprétation de points de croyance liés aux noms et attributs, ceci est permis. La base des bases est que dans le Coran, quand un verset te parvient, tu dois prendre le sens premier. Mais parfois, il y a aussi un sens correct dans une interprétation. Inch'Allah, ça aussi, on le décrira plus tard. Faire du ta'wil sur un verset, interpréter le sens d'un verset, ce n'est pas comme interpréter un nom ou un attribut. Hein. Donc le ta'wil n'est pas condamnable dans l'absolu. C'est en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Azzawajal, donc dans un point de croyance. Voilà, Inch'Allah, ce que j'ai pu vous donner ce soir. De toute façon, c'est la fin du chapitre. Naam, on aurait pu faire le 40 dans la foulée. Je vous dis vraiment là, pourtant le 40 est assez court. Mais je suis beaucoup trop fatigué pour cela. Inch'Allah, le chapitre 40 à 16h. Inch'Allah, 16h, 16h15. Le chapitre 40. Le titre, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Donc on en parlera, Inch'Allah, plus longuement demain. Et Inch'Allah, on ne va pas faire de questions-réponses ce soir. Voilà. Et donc à demain, Inch'Allah, 16h. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shalom la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.